tir à Villeneuve sur l'aile gauche, envoie plus loin dans le territoire des remparts, dans le coin. Ducharme reprend, en échec avant, courte passe pour Gaucher, Sarat. Jacob Gaucher de derrière, le but, la passe devant, le but! Jacob Pelletier bien posté devant le filet, redirige la passe de Jacob Gaucher, les Foreurs ouvrent la marque. En début de match, dans la première minute de jeu, à 37 secondes du début de la rencontre, qui est bien posté à l'embouchure du filet, accepte la passe de Jacob Gaucher. Et bat le gardien des remparts, Sigouin. Fort début de match pour les Foreurs. Gaucher a bien récupéré le 10 derrière le filet et Pelletier s'est libéré de Sibonet. Saisi revient le long de la rampe au point d'appui à Rochette. Rochette, point d'appui droit, descend lentement le long de la rampe à son tour. Rochette, maintenant le long de la ligne début à Huchette, tir vif. Et le but! Le tir de Huchette surprend Blackburn, c'est 1-1. Le tir de Michael Huchette surprend le gardien des Foreurs. 1-1 en avantage numérique, les remparts. Quel début de match! Huchette qui joue du très bon hockey pour les remparts. Et là, on l'emploie en avantage numérique en l'absence d'Olivier Pouliot, qui n'a pas fait le voyage. À moins que ça ait dévié devant le filet, Huchette sera crédité de son 7e filet de la campagne. Un tir à ralenti pour les remparts à Huchette. Au centre, la passe est belle. Amanat Haïdis s'accélère en zone ennemie. Amanat Haïdis coupe au filet, belle fête de tir. Blackburn a suivi tout le long et fait cette attaque pour Jacob Gaucher. En entrée zone, Jordan Spence s'amène dans le territoire des remparts, coupe dans le centre de la glace. Long tir à la glace, arrête Sigouin, bel arrêt. La rondelle demeure en devant le but. L'officiel a perdu la rondelle de but, voilà pourquoi c'est arrêt. Les arbitres en chef, messieurs Jonathan Trudel et Pascal Saint-Jacques. 15-49 à jouer en première. On est de retour à 5 contre 5. 1-1 au pointage. Jacob Pelletier pour Val-d'Or, Michael Huchette pour Québec ont été des marqueurs. Blackburn s'est récupéré par les Foreurs. Poulin et Desblais au centre. Attention, Robida est seul. Robida le tire. Pelle, arrête Sigouin, on est libre. Légaré tente de battre le gardien qui est combatif et qui fait l'arrêt avec la jambe. Et Caron dans la mêlée. Sortie de territoire, la passe à Robida pour Légaré. Légaré dans le territoire des remparts sur l'aide gauche, déborde Falardeau. Tire dans un angle difficile et le but. Nathan Légaré surprend Thomas Sigouin. Ara la glace, c'est 2-1 Foreur. Sigouin a été surpris, la rondelle est passée entre ses jambes. Nathan Légaré s'est amené hors l'aile. Un droitier sur l'aile gauche. Ramener la rondelle sur son côté fort et attirer à la glace. Avec 13 minutes 18 à faire en deuxième, c'est 2-1 Val-d'Or qui reprennent les devants une deuxième fois dans le match. Oh, Spence perd devant Montreuil. Malatesta, Savoie, point d'appui gauche. Savoie, son tir est à la droite de Blackburn. La rondelle revient vers le devant du but. Oh, quelle chance ratée par Nathan Gaucher. Blackburn cherchait la rondelle. De retour en direct du centre-air Québec de Val-d'Or, les remparts viennent de rater une chance en or. Et Nathan Gaucher et Gabriel Montreuil avaient la passe interceptée par Rochette. Rochette au point d'appui à Noss. Noss envoie pour Rochette devant le filet, incapable de tirer. Truchon reprend. Le tir des poignets, le but! Oh! Charlie! C'est 2-2! Charles Truchon laisse partir un tir des poignets précis. Et les remparts créent l'égalité une deuxième fois dans le match. Bel effort sur cette séquence de Théo Rochette. En échec avant, il a ennuyé passablement Gabriel Villeneuve. Résultat, le revirement permet aux remparts de récupérer le disque. Et Charles Truchon laisse partir un bon tir des poignets pour dans le territoire des remparts. Truchon derrière son filet évite la mise en échec de Tchaïkovitch. Viliami Mariala tente de quitter sa zone. Spence s'interpose. Long tir. C'est bloqué devant le filet. Rondelle qui demeure libre. Et Sigouin, étendu de tout son long, réussit à garder la rondelle juste à l'embouchure du but. 4 minutes 37 à jouer en deuxième. 2-2 la marque, chaque équipe a marqué une fois en première, une fois en deuxième. À la gauche de Sigouin, on reprend 5 contre 5. Evan Noss passe à Théo Rochette du côté gauche. Envoie mollement en zone ennemie. Maria l'a saisi. Tire du revers, arrête Blackburn. Au retour, belle arrête Blackburn avec la jambière droite. Courte passe pour Nathan Légaré. Du revers, belle passe transversale à Doucet. En entrée de zone, Robida s'avance. Le tir, belle arrête Sigouin, il n'y aura pas de retour. Doucet s'est amené devant Sigouin qui fait l'arrêt. Et garde la marque à 2-2. 15 minutes 29 à faire en troisième. On reprend dans le territoire des remparts à la droite de Thomas Sigouin. Malatesta rate la passe. En entrée de territoire, Guenette appuie l'attaque pour les Foreurs. Guenette, tir bloqué par Noss, ça lui revient. Guenette passe devant et le but! Maxime Tchaïkovitch redirige la passe de Maxence Guenette. Derrière le gardien Sigouin, les Foreurs reprennent les devants une troisième fois dans le match et 3-2. Maxime Tchaïkovitch qui est venu appuyer l'attaque. Il a tiré rapidement, Sigouin a partiellement fait l'arrêt. Mais la rondelle a poursuivi son chemin pour battre le gardien des remparts, Tchaïkovitch. S'inscrit au pointage dans un quatrième match consécutif. Et les Foreurs reprennent les devants. Trois zones neutres encore une fois. Truchon passe sur sa droite à Huchette, intercepté par Robida. Robida s'avance, il n'y a plus de gardien. Et le but! Justin Robida porte la marque à 4-2
avec 31,3 secondes à jouer. Savoissini en passe son bien battu. Mais les Foreurs en ont fait juste assez pour récolter la victoire aujourd'hui. 31,3 secondes à faire. Justin Robida loge le disque dans une cage abandonnée. Thomas Sigouin vient se réinstaller devant le filet des siens. Et on va...